Salut à tous, c'est Dritz. On se retrouve aujourd'hui sur Subnautica. Voilà, un jeu Duke No World, un jeu de survie qui se passe essentiellement sous l'eau. Voilà, on vient de s'échouer sur une planète extraterrestre. Il va falloir qu'on survive, qu'on craft, qu'on essaye de s'échapper et qu'on apprenne un petit peu plus de choses sur ce qui se passe ici, ce qui s'est passé. Voilà, allez, c'est parti. Pouf. Alors, le PDA, l'inventaire, donc les emplacements à gauche, à droite l'équipement qu'on va pouvoir crafter au fur et à mesure. Les schémas qu'on connaît actuellement, voilà, avec les matériaux de base, au fur et à mesure qu'on va trouver des choses, apprendre des choses, scanner des choses, bah, ça va compléter. Voilà, on sait faire du fil du cuivre, on sait faire des piles, on sait faire des batteries, du câblage, on va pouvoir filtrer de l'eau. On peut faire des petits équipements, voilà. Les outils, donc très important, les outils, bah, c'est un petit peu nos armes, hein. Même s'il n'y a pas d'armes à proprement parler dans le jeu, voilà, on va pouvoir scanner les lampes torches, les couteaux, les choses comme ça. Les petits réservoirs, les petits véhicules et les débuts de construction de base. Voilà, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Vous allez voir, ça va très vite se compléter. Alors, là, c'est les petites indications. On va pouvoir placer des balistes un peu partout quand on va découvrir des épaves ou des choses à visiter, des bases. On mettra des petites balistes. On pourra prendre des photos. On a le petit journal de bord et on a l'encyclopédie universelle. On va pouvoir voir tout ce qu'on va scanner. Voilà, ça va nous faire des photos, ça va nous donner des aides sur tout ce qu'on va pouvoir faire. Ça, on va récupérer. Hop. Hop, on va laisser ça là et on va aller tout de suite chercher les premiers éléments. Alors, la sortie. Donc l'Aurora, le vaisseau qui s'est écrasé. Il y a toujours un petit truc que je vois là-bas, je sais pas ce que c'est. Alors au départ, sur la gauche, vous voyez le cœur, donc c'est de la vie, la pomme, la nourriture et la petite goutte, l'eau bien sûr. L'eau 2, c'est le taux d'oxygène. Dès qu'on va plonger dans l'eau, ça va baisser. Pour l'instant, on n'a que 45. Ça va nous obliger à remonter très très souvent. Et il va falloir qu'on améliore justement très rapidement tous les champignons. On va en prendre 4. On va récupérer des bouts de débris de l'avion. Et on a déjà plus d'oxygène. Ça va vite à descendre. 45, c'est vraiment... C'est vraiment pas terrible au départ. Hein. Alors il y a plein de biomes différents, il y a plein d'espèces, il y a de la flore, de la faune, il y a plein de choses à découvrir dans ce jeu. C'est un jeu où faut savoir fouiller, faut savoir regarder un petit peu ce qui se passe, scanner tout ça. Hop là, voilà, petit poisson. Alors celui-ci là, l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire de l'eau avec. Poisson poche. Il faut que je reprenne le coup pour attraper les poissons. On va prendre pas mal de titane au départ. On va prendre ce qu'on trouve, hein, à vrai dire. Ils vont un petit peu vite pour nous. Mais c'est pas grave. Parce qu'on va crafter ce qu'il faut pour aller plus vite qu'eux. J'ai encore beaucoup de place. On va pouvoir continuer. Ils sont un petit peu pénibles à attraper quand même. Alors, il faudra qu'on fasse vite le scanner parce que là on a des choses à scanner. Je vais prendre pas mal de poissons, hein, pour le début, faire un petit peu de réserve de nourriture. Oxygène, ok.
Ça, on s'en écarte. Un gazopode, donc c'est du poison. Ok, on a des choses à prendre ici. Ça va être intéressant. Il va falloir qu'on trouve un petit peu de cuivre aussi. Hop, bah tiens, du cuivre. Du titane. Encore du cuivre. Et encore du titane. Ça, on va convertir en titane avec le fabricateur. Encore du cuivre. Bon, on va remonter déjà. On va regarder ce qu'on a trouvé. Alors, le fabricateur. Alors, on convertit donc les débris métalliques, ça donne 4 morceaux de titane. On va faire tout ça. Alors, on peut faire une pile, on va la faire tout de suite. Donc, 2 champignons, 1 morceau de cuivre. Un fil de cuivre ou on peut faire une deuxième pile. On va rien faire du tout pour l'instant. On va faire l'eau qu'on a trouvée avec les petits pochons parce que ça on va en avoir besoin. Ah, pour cuire les petits poissons. Donc les pochons ça donne de l'eau, tous les autres bah, ça fait de la nourriture. Alors au niveau de l'équipement, on va pouvoir faire un réservoir d'oxygène standard, donc un petit peu mieux que ce qu'on a. Vu qu'on n'en a pas du tout. Hop, voilà. On passe de 45 à 75 ans d'oxygène, ça c'est très bien. Et on va pouvoir faire le scanner. Donc, qui va nous permettre bah, de scanner tout ce qu'on trouve, histoire de mettre ça dans l'encyclopédie, savoir ce qui est intéressant, pas intéressant. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Les tuyaux, les pompes à air, tout ça, ça nous intéresse pas. Et on va refaire un petit casier. Tchac, voilà. Pour pouvoir stocker des choses. Est-ce qu'on peut en faire un autre? Oui, bah on y va. Donc ça, c'est des petits rangements qu'on lâche dans l'eau, hein, vu qu'on n'a qu'un rangement dans le vaisseau. On n'a que ça ici. Ici, on va mettre que la nourriture. Je vais manger. Voilà, je vais boire. Hop, et ben on est reparti direct. On va faire des stocks. Ah, il fait nuit. Alors le scanner. Ça, hop, on va le lâcher. On a lâché les deux. Ok. Ici, on va mettre du titane. Hop. Et ici, on va mettre. Ok. Allez, on est parti pour un petit tour de scanner. Donc le but bah, c'est de scanner tout ce qu'on peut. Hop, les petits champignons.
Alors c'est aussi comme ça qu'on va apprendre des nouveaux schémas en scannant. C'est pas bon. Le scanner, ce qui est important quand vous scannez, c'est qu'on va avoir des petites indications. Par exemple, sur la faune, on vient de scanner, hop, le gazopode. Donc voilà, forme de vie lente qui imprègne l'eau, l'environnement, composé empoisonné et corrosif, capable de dissoudre même les fibres synthétiques. Système de filtration, hein, ça nous raconte un petit peu sa vie. Donc il y a pas mal de lectures. Et la petite ligne en bas est toujours intéressante. Analyse, approchez-les avec précaution. Les gousses acides peuvent être récupérées et réutilisées. Ça veut dire que plus tard, on pourra peut-être se servir des petites boulettes jaunes qui nous lancent là leur système d'autodéfense, hein, tout simplement. Vous voyez ces petites boulettes là? Hop. Bah, j'en ai récupéré une. Bon, alors ça va pas nous servir maintenant, hein, mais. J'ai une petite capsule de gaz. Voilà. Bon, il fait nuit. C'est pas ce qu'il y a de mieux. J'espère que ça rend quand même un petit peu. Hein, parce que c'est vrai qu'avec YouTube, des fois, les paysages de nuit ne sont pas bien rendus. Scanner ça. Alors, j'ai des petites réserves, hein. Les pochons, ça va nous servir. Alors plus tard, il y aura possibilité d'avoir un aquarium, reproduire les poissons. Voilà, il y a des choses qu'on pense pas, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de décors qui servent. Donc, faut bien tout scanner, tout regarder. Ça nous intéresse pleinement. Ah, du soufre, ça, on va en avoir besoin. Alors, c'est vrai qu'au départ, il y a beaucoup, beaucoup de scannage, mais une fois que c'est fait, c'est quand même bien pratique. C'était chaud sur ce coup-là. Ok, on a trouvé du soufre. On va essayer de continuer à trouver un petit peu de cuivre, un petit peu d'argent si possible. Niveau nourriture, on est comment? Hop là, voilà. Ouais, c'est parti. On fait le plein de ressources histoire de pouvoir crafter, débloquer des nouvelles choses. Choses qui se scannent plus vite. Voyez par exemple, alors corail cerveau, ça c'est super intéressant. On va pouvoir après récupérer toutes les plantes, hein, les replanter. On pourra faire des carrés intérieurs, des carrés potagers extérieurs. Voilà, ça c'est très intéressant. Ça permet de regagner de la vie. Il va nous falloir un couteau, donc première chose à crafter, ça va être un couteau pour pouvoir récupérer ceci. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Alors il y a plein de biomes différents, enfin le jeu est quand même magnifique, enfin moi j'aime beaucoup.
Bof, allez. On va rentrer à la base parce que ça, c'est intéressant. Ça, on va faire de l'eau. Alors on peut fabriquer des palmes du coup pour aller plus vite. Alors ça, on va le faire direct. On va pouvoir faire le couteau en priorité. Donc, caoutchouc, titane, on va faire l'outil de réparation. Voilà, statut ok, on a électricité, ça marchera mieux. On va récupérer, hop, un petit trousse. On va attendre avant de réparer la radio, parce que la radio va faire avancer un petit peu le scénario. Hein. On va recevoir le premier message, on va avancer un petit peu. On réparera la radio un petit peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Manger, eau. On va laisser une trousse de soins ici. On va laisser le silicone là et l'huile. Voilà. Alors, on a le couteau maintenant. On va retourner chercher les choses. Voilà, le couteau va nous permettre de récupérer des matériaux qu'on ne pouvait pas récupérer avant. Hop, on va laisser ça là. On va laisser ça ici. C'est parti. Alors, ça on pouvait pas en prendre avant. 1, 2, 3, 4, un peu, 5 et 6. On va prendre 6. On pourra prendre des graines après les différentes plantes, pour l'instant on va pas s'encombrer. Hop. Alors, avec la vigne qu'on a récupérée, on va pouvoir faire de la maille de fibres. Alors, pour faire un réservoir plus grand, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le réservoir standard, ça on l'a. Du verre, donc il va falloir qu'on trouve du quartz, du titane on en a, et il va falloir qu'on trouve de l'argent. La lampe, du pile vert, donc il nous faut du verre, beaucoup de verre, donc on va aller en chercher. Outil de repérage pour l'instant, on n'a pas besoin. Et le constructeur d'habitat, ça va nous le falloir rapidement, c'est avec ça qu'on va pouvoir fabriquer une base complète, hein, tout simplement. On va poser des choses. On va poser la fibre, on va poser les champignons, hop. Allez, on va faire une petite sauvegarde déjà. Voilà, et on est parti, on va chercher du quartz.
On va chercher du quartz et de l'argent si possible. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas récupérée non plus. Voilà. Hop, ça on va pouvoir récupérer aussi avec le couteau. On a la réserve, on est tranquille. Ça, c'est les champignons, on n'a pas besoin pour l'instant. Ok, on accorde de la place. Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Silver-based wiring kits are an essential component of many habitat modules.
Allez, on va regarder ce qu'on peut construire. Alors le fameux verre. Alors ça on peut le construire, par contre il nous manque le réservoir d'oxygène standard. Hop, on va déséquiper celui-là. Réservoir d'oxygène standard, déséquiper. Allez, on va passer à la haute capacité. Ah voilà. 135 d'oxygène. Ça a pu être la même là. Nouvel équipement. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Il va falloir qu'on fasse ça. Donc un circuit intégré, un kit de câblage, une pile. On fait un réservoir. Donc, circuit intégré, kit de câblage. C'est pas là. Alors, circuit intégré, deux échantillons plats, ça on les a, de l'or, du cuivre, kit de câblage, deux minerais d'argent, ça on n'a pas. Ok. Donc il va nous falloir de l'argent, on va retourner chercher de l'argent. Ça on va mettre ça dehors. Les choses importantes ici, le kit de câblage, voilà, du plomb, de l'or, du verre, et le reste on va mettre ça dehors, on va aller chercher de l'argent. Allez, ça c'est notre mission, de l'argent, on va mettre la nouvelle caisse, comment c'est un peu le bordel là. Alors là on a quoi? Cuivre. Commence à ranger un petit peu. Allez, on est parti, on va chercher de l'argent. Ah ben voilà, tiens, on veut un morceau. Hop, ben voilà. Donc pour les schémas, des fois ils nécessitent un morceau, des fois 2, 3, 4. Donc là apparemment il en faudra 2. Alors un œuf, c'est le territoire des requins, donc il y a beaucoup de chances pour que ça soit un œuf de requin. Ah, je crois qu'on a de l'argent.
C'est bon. On a le schéma du Seaglide, donc ça on va aller le crafter rapidement. J'aimerais bien un deuxième argent. Fragment de base de véhicule mobile. Alors ça va être intéressant aussi. Ça va être pour construire d'autres choses, des petits sous-marins, des choses comme ça. Parce que le but, ça va être de construire des engins qui vont pouvoir descendre le plus possible. Voilà. Le jeu, la difficulté du jeu et l'avancée du jeu va se faire dans la descente essentiellement. Plus on va s'améliorer, plus on va pouvoir descendre bas, plus on va pouvoir descendre bas, plus on va découvrir des choses, plus on va avancer dans le scénario. Bon, on a gagné en confort, hein. Déjà au niveau de la descente. Allez, on va aller se construire le Seaglide, comme ça on va aller beaucoup plus vite. Alors là, le décor a un peu changé, hein. On a changé de biome. Qui dit changement de biome dit nouvelle créature et peut-être nouvelle ressource. Voilà, nouvelle créature. Ah, il est disparu. Hop. On l'a scanné, on va le manger. Ah, je mange tout ce que je scanne, moi. Alors ici, hop, ça va être le pays du quartz. On trouvait pas mal de quartz ici. Fragment de découpeur laser. Très intéressant, on va prendre. D'argent avant de rentrer, ça aurait été pas mal. Du titane, du calcaire. La pile. On va cuire le poisson. Ah, on peut fabriquer la lampe. Bah, on va d'abord fabriquer le Seaglide. Et après, on va se fabriquer la lampe. The Seaglide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 km of the nearest life pod or habitat. On va fabriquer la lampe. Congratulations, survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. On a dit cuivre et de champignons. Ce qui nous manquera, ça va être le constructeur d'habitat. Donc il va nous manquer
de l'argent. Notre priorité, trouver de l'argent. On va manger. Vital signs stabilizing. Check. On se fait une petite sauvegarde ici. Alors on va plus vite, on respire plus longtemps. Ça commence à être intéressant. Ok, il nous manque un morceau pour fabriquer la baie à véhicule mobile. Alors, là c'est intéressant par contre. On va scanner la poubelle. Alors on peut pas ramasser ces objets là, hein. Faut vraiment les scanner pour après les construire. On a un morceau de poubelle. Fasse une petite base en attendant, parce qu'après on va avoir des pièces circulaires, des choses comme ça. Là c'est vrai que c'est pas évident de faire des bases avec juste des petits morceaux. On va essayer de faire un petit truc en attendant. On va faire un bloc comme ça. Pas cette quartz. Ah si on a du quartz, qu'est-ce qui nous manque alors? Ok, il manque du quartz. On a du titane mais on n'a pas de quartz. Bon, ça c'est bien pratique. Regardez s'il n'y a pas du quartz dans le coin. Mais on a ramassé une dent de requin. C'est parfait. New blueprint. On a dû apprendre un nouveau schéma. Il y a quoi là-dedans? Oh, un morceau de la baie des véhicules. Ça, c'est parfait. Prendre un petit morceau de viande. C'est la même caisse ou pas ça? Non. Allez, un autre morceau. Super. Enfin, encore un, tant qu'à faire. Non, un œuf ici. On va faire qu'on fouille un peu cette zone plus en détail. On va aller respirer déjà. On va éviter de mourir stupidement. Alors, il a faim, il a soif. Elle est où la base que j'ai commencé? J'ai perdu ma base.
Alors, il faut absolument qu'on mette une baliste, hein, parce qu'on va pas pouvoir la localiser sinon. J'ai déjà perdu. Récupérer du titane. Elle est là. D'accord. Bon, je vais chercher du quartz. Je vais finir mon petit morceau là. Ah, ça l'a enlevé. Parfait. Il nous faut du quartz, retour à la base. Bon, y a quelque chose qui m'intéresse là. Fragment de la baie des véhicules. Ah, il en manque encore? Il en manque combien? Ah non, on l'a. Ah bah ok. Voilà. On l'a au complète. Donc on peut fabriquer la baie à véhicule. Pour l'instant, ça ne nous sert pas à grand chose vu qu'on n'a aucun schéma de véhicule. Le premier prochain véhicule, ça sera le petit sous-marin là. On va aller chercher du quartz à la base. Allez, on est de retour. On va continuer notre petit habitat. Nouvelle valeur 4. Alors on a 4 de valeur de coque, hein. Ça fait que la moindre vitre, dès qu'on descend en négatif, il va y avoir des infiltrations d'eau dans la base. Donc là j'ai prévu de faire des petits couloirs, mais pour l'instant on va pas les faire, il va falloir renforcer la base. Hop. Alors on peut toujours pas respirer là-dedans. Donc pour respirer, on va construire un petit générateur électrique, un petit panneau solaire. Power restored. All primary systems online. Welcome aboard, Captain. Voilà, la base est habitable. On va pouvoir l'aménager un petit peu. Ça va être plus facile que de mettre des petites caisses partout avec peu d'emplacement. On va faire quelque chose de bien. Donc là on va rien mettre parce qu'il y aura un couloir. Et là il y aura un couloir qui donnera ici et un qui donnera là. Ok. On va se mettre des petites armoires de rangement. On va renforcer la coque. On va faire la salle de construction ici éventuellement. Avec des armoires de chaque côté. On va faire la table ici. Table de fabrication. Petit générateur. Allez, bah c'est parti. On va se mettre des petites étagères. Et après je vais faire le transfert. Je vais faire le transfert de toutes les marchandises. On pourra construire un bioréacteur. Pour l'instant, on n'a pas le schéma. Alors, on pourra fabriquer le fabricator. Donc, il faudra refaire le fabricator. On va refaire la radio. On va refaire la petite trousse de soins. Là, on a des petites armoires. Ou la grande armoire qui nécessite du quartz. C'est pas grave, on va faire la grande. Très bien mise.
essayer de mettre ça propre quand même. Armoires ici, mettre deux petites armoires là. Voilà, comme ça on rentre, il y aura des petits couloirs, on mettra un peu de déco quand on en aura. On a des petites armoires ici, hop, on va commencer à ranger. On va mettre le verre dans celle-ci. Tchac. Et à côté, on va mettre le cuivre, cuivre, plomb, argent, or. Voilà. Celle-ci, on va mettre que du titane. Allez, on va aller chercher tout ce qu'il faut. On va transférer. Je vais faire des petits transferts. Et puis, on voit pour la suite. C'est parti. Alors, on continue les transferts. Le quartz, le verre. Alors le cuivre, ça c'est les coquillages. Alors ici j'ai mis deux petites étagères, il y en a une où j'ai mis le silicone et l'huile. Ici j'ai mis la maille. À tout ce qui est maille, et à l'entrée il y a deux petites armoires également, une où on va mettre en attendant les réserves d'eau et de nourriture, et le soin, voilà, eau, nourriture, soin, et là on aura les petites babioles, les conneries, les extincteurs, les piles usagées. Voilà, on va faire un dernier transfert. On va déposer, on va prendre quelques champis. Est-ce qu'on n'en a pas ici? Alors, est-ce qu'il y a des choses à déposer là? On va faire le maximum de place. Un kit de câblage, on va le mettre là pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour le fabricator? On va se mettre ici, on va faire une pièce ici. Comme ça, on aura toutes les armoires à côté. Le fabricateur or, échantillon plat, titane. Échantillon plat, on a ça ici. Non, ça doit être à côté. Hop, un échantillon plat. Hop. Donc on va se faire le fabricateur là. Qu'on pouvait se faire la combinaison. On va se la faire tout de suite, la combinaison anti-radiation, parce qu'on est en train de perdre de la vie. Hop. Et de la maille. On va la faire maintenant. Équipement. Combinaison anti-radiation. Est-ce qu'il est équipé? Voilà, on est équipé.
Et alors ça c'est quoi? Casque anti-radiation, d'accord. On va attendre, parce qu'après on pourra peut-être faire un casque qui recycle le CO2 là. Pour l'instant on va rester comme ça tant qu'il y a des radiations dans le vaisseau. Allez, bah, je vais finir le rangement. Je vais chercher quelques petits champignons. Il nous reste un petit peu de plomb. Absorption d'eau, ça on peut. Alors, une bouteille d'eau, hop, on a ça, on prend deux. Vital signs On va faire à stabilizing. manger. Et alors, je vais regarder tout de suite, ouais. Je vais refaire des réserves d'eau. Et de nourriture. Je vais regarder tout de suite si je peux construire. On va faire une sauvegarde avant. Parce qu'on va peut-être avoir des infiltrations. Alors, il va nous falloir du quartz, du verre, du titane. Et on va prendre un plomb, on va voir si on peut refaire un renforcement de base. Et on a dit qu'on faisait sauvegarde. Je sais plus si je l'ai faite. Allez, on va le refaire dans le doute. Donc on a une durabilité de 4 sur la base. Valeur 2 points. Alors un renforcement, qu'est-ce que ça coûte un renforcement? Du lithium. Ah, du lithium, on n'en a pas. Nouvelle valeur 0. Donc faut plus qu'on descende. Tant qu'on n'a pas de lithium, on pourra pas faire le reste. Donc j'essaierai de faire. Voilà, on finira, on fera pareil ici. Ça fera une petite base rigolote. On va pas le faire tout de suite parce que sinon la base va prendre l'eau. Donc on va attendre d'avoir du lithium pour renforcer. Comme ça sera sympa. On aura des petits couloirs comme ça et ça fera comme ici. Avec la vue, des petites lumières. Bon, il nous reste pas mal de schémas à aller chercher. On va aller chercher un petit peu de provisions aussi, manger, boire. Oh, il y a quelque chose là-bas. Je vais remettre un peu le perso à zéro là, parce que là il est en train de, en train de mourir gentiment. Et on finira après les constructions. Voilà, on remettra la radio, on remettra tout ce qu'il y a à mettre, la trousse de soins, et puis on avancera un petit peu dans l'aventure. On va s'arrêter ici pour ce premier épisode. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu bien sûr si la vidéo vous plaît. Et puis je vous dis à bientôt pour le deuxième épisode. C'était Dritz. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao!